Je m'appelle Noémie et je suis formatrice en français langue étrangère et alphabétisation dans la maison de quartier d'Elmette. Donc c'est une institution qui se situe dans le quartier d'Elmette à Skarbek et qui accueille notamment des adultes pour dans le cadre de la cohésion sociale, de l'éducation permanente, de l'insertion socio-professionnelle et aussi pour l'accueil des primo-arrivants. Et donc moi je travaille dans le secteur éducation permanente et cohésion sociale avec des personnes qui sont là pour apprendre à parler français ou apprendre à lire et à écrire. Donc le projet qui est présenté ici est un projet sur l'autoportrait et sur le portrait, qui est surtout lié aux travaux que nous réalisons en début d'année sur donc l'apprentissage de la présentation en français. Donc les personnes apprennent à se connaître, elles apprennent à se présenter, à présenter une personne en face d'elles et à aussi se décrire et à décrire les autres. Et donc suite à ça, les apprenants en français langue étrangère ont réalisé des autoportraits au fusain et à la craie. Et les autres projets sont faits vraiment dans le cadre des cours de français et sont vraiment une multitude de travaux différents autour du portrait, comment parler de soi enfin, en se basant sur un support plastique qu'on a créé. Et qui sont donc soit des peintures, soit des dessins, soit des collages, soit des mélanges collages et dessins.